Grande joie pour cette famille qui nous accueille et qui présente les enfants pour le baptême. Nous allons baptiser Dolvis, Calvis, Reine, Joanna, Yvan, Omayel, Claude. Nous aurons 6 enfants qui vont augmenter, agrandir la grande famille des enfants de Dieu par le baptême. Nous sommes toujours contents quand il y a un baptême dans la famille. Nous nous présentons au Seigneur en reconnaissant que nous sommes aussi des êtres fragiles, des pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais toi, mes frères, que j'ai péché en passé, en parole, par la seule et c'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, et nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
prions le Seigneur. Tu nous invites, Père très bon, dans cette concession, à participer avec Reine Blessée, Johanna Valérie, Calvis, Yvan, Omaïel Claude, Dolvis. Participer au mystère de la mort et de la résurrection de ton Fils. Accorde à nos vies de s'ouvrir davantage à la vie nouvelle que l'Esprit Saint donne par le baptême à ceux dont tu fais tes enfants. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Évangile de Jésus-Christ, nom Saint-Luc. Gloire à toi, Seigneur. Au sixième jour, sixième mois d'Élisabeth, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth à une jeune fille vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors, « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé fils de Dieu. Or voici que dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils et elle en est à son sixième mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit alors, « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. Acclamons la parole de Dieu. Je suis pompon, tu vas vous sortir. Puis dans la pompe, tu as pu le dire. On va commencer par dire merci avant de continuer. À la fin, je ne dirai plus merci. Mahachamabi, papa. Pourquoi? Parce que tu nous as accueillis dans cette famille. C'est la première fois que je viens ici. On appelle quoi? Vanogo, c'est pas? Voilà, Vanogo. Je passe toujours pour aller par là, mais je ne suis jamais monté. Nous voici à la montagne. Merci, Chamba. En 2 ans, je viens dans cette concession, c'est une bonne chose. Maman Chambabi, Matricia, il est là. Et maman Chambabi, maman, pour que tu mettes indigna de mes jours au pays. Et nous sommes à quelques jours de Noël. Quelques jours de Noël. Nous sommes le 20. Il reste 2, 3, 4 jours. Et nous allons rentrer dans le mystère de la nativité. Mais nous commençons aujourd'hui par ce baptême qui nous montre déjà, qui nous envoie déjà à Noël. Merci d'avoir présenté ces enfants. Ils sont 6.
Nous ne sommes pas venus seulement pour ces enfants. Hein, parce qu'on peut avoir, on peut faire comme ça jusqu'à partir. Et on dit, vous étiez au baptême. Non, on est venu aussi pour rendre grâce au Seigneur pour les défaits de cette année. C'est pas ça. C'est ça. Nous sommes venus rendre grâce au Seigneur. Vous avez bien pensé de faire, de mettre les enfants dans cette action de grâce. Pour que ce ne soit pas seulement un deuil qui fait une fête, une action de grâce qui fait appel aux défunts de la famille, mais qu'on dise quand même que oui, ils sont partis, mais il y a d'autres qui sont là pour remplacer, pour régénérer la famille. Nous allons, dans cette messe, prier pour ces parents-là qui sont partis, pour les défunts de cette concession, tous ceux qui sont morts dans cette concession, que ce soit les grands, les petits, les moyens, nous prions pour toutes ces personnes-là. Mais nous introduisons dans cette action de grâce nos enfants, pour dire Seigneur, oui, nous te réconfions, merci de nous donner aussi ces enfants-là pour la continuité de la famille. Et le Seigneur aussi profite pour nous donner sa parole. Aujourd'hui, nous lisons cette belle phrase que chacun doit retenir avant de partir. Que chacun retienne que rien n'est impossible à quel que soit ce qui vous arrive. Dis toujours, rien n'est impossible. Si tu demandes au fond de ton cœur, Seigneur, donne-moi ceci. Si tu demandes là, sincèrement, il va te bénir. Élisabeth, c'est une femme qui a longtemps pleuré. Tout le monde se moquait d'elle. Elle est, on dit en ma langue, Kirmunji. Comment on dit ça? Kirmunji. Il y en a pas, il y a Kirmunji. Il y a moi, pas qu'on soit là, il y a un bas Kirmunji. Chacun arrive et on dit Kirmunji, Kirmunji, Kirmunji. Est-ce qu'elle a même encore la possibilité de marcher en route? Parce que les gens pensent que ce qui fait la valeur d'une femme, c'est l'enfant. Si quand tu ne fais pas l'enfant, alors et la pauvre passait le temps à pleurer. Et son mari, comment il s'appelait? Zacharie. Tous les deux, ils ont passé. Zacharie était au temple tous les jours. À un moment, il a même hésité que l'enfant va naître. L'oiseau a échoué dans ses yeux, est devenu aveugle parce qu'il a douté. Il ne faut jamais douter parce que rien n'est impossible à Dieu. Ça je veux que tu chasses. Jusqu'au jour où le Seigneur vient dire à Marie que hey, même ta soeur est enceinte depuis combien de mois? Parce que rien n'est impossible. Il y a des familles qui aujourd'hui pleurent jour et nuit, qui vont de maison en maison, d'hôpital en hôpital, parce qu'ils veulent avoir un. Mais ils oublient aussi de qui cela. Si tu le veux, Seigneur, donne-nous un enfant. Si tu le veux. Mais si tu demandes comme le lépreux, avec sincérité, avec foi, alors le Seigneur te donne. Parce que rien n'est impossible à Dieu. Et Marie dit, et comment tu m'annonces une telle nouvelle comme ça? Donc ma cousine a déjà 6 mois. Mais comment moi aussi ça va se passer dans ma vie? Je ne connais pas. Donc je vais faire comment? Quand je lui dis, calme-toi, calme-toi. Si ce qui est arrivé à Elisabeth et arriver à son insu, ça va aussi t'arriver. Parce qu'il y a l'Esprit Saint qui agit dans la vie de chacun de nous. L'Esprit Saint agit dans la vie de chacun de nous. Ouvrons les yeux pour voir l'Esprit Saint. Ouvrez les yeux dans cette famille pour voir les merveilles de Dieu. Ouvrez les yeux. Ne fermez pas vos oreilles à l'Esprit Saint. Il vous parle. Prions pour ces enfants qui vont recevoir la grâce du baptême. Prions pour leurs parents. Prions pour leurs parrains et marraines. Pour tous les baptisés. Par l'intercession des saints qui nous ont précédés dans la foi, confions-nous les uns les autres à la bonté de Dieu. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Sainte Marie, Mère de Dieu. Priez pour nous. Saint Michel et tous les anges de Dieu. Priez pour nous. Saint Jean-Baptiste. Priez pour nous. Saint Joseph. Priez pour nous. Saint Pierre et Saint Paul. Priez pour nous. Tous les apôtres du Seigneur. Priez pour nous. Vous tous saints et saintes de Dieu. Priez pour nous. Maintenant vous allez au compte de grâce, écoute-nous. Jésus, Fils du Dieu vivant, de grâce, écoute-nous. Pour que ces enfants deviennent par le baptême membres de ton corps, de grâce, écoute-nous. Pour qu'ils vivent selon l'Esprit qu'ils vont recevoir, de grâce, écoute-nous.
pour qu'ils demeurent toute leur vie dans la famille des enfants de Dieu. Pour que leurs parents, leurs parrains et marraines les aident à connaître Dieu et à l'aimer. Pour que vous tous et tous les chrétiens donnent à ces enfants le témoignage de la foi. De grâce, écoute-nous. Ô Christ, écoute-nous. Ô Christ, écoute-nous. Ô Christ, exauce-nous. Ô Christ, exauce-nous. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, tu as envoyé dans le monde ton Fils pour délivrer l'homme esclave du péché et lui rendre la liberté propre à tes fils. Tu sais que ces enfants seront tentés par les mensonges de ce monde et devront avoir le courage de résister à Satan. Nous te supplions très humblement pour eux, par la passion et la résurrection de ton Fils, arrache-les au pouvoir des ténèbres, donne-leur la force du Christ et garde-les tout au long de leur vie, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Que la puissance du Christ Sauveur vous fortifie et vous donne de grandir en âge, en intelligence et en sagesse pour les siècles des siècles. De l'Église, nous prions afin que Dieu les augmente la foi, l'espérance pour conduire le peuple de Dieu. Dieu Tout-Puissant, nous te confions tous les défunts de la famille, en particulier Dernier Cécile, Fosso Henri, Mamba Victorine, Défort Martin, Duco Florence, Nossi Boniface, Dernier Jacqueline. Seigneur, pardonne leur péché et conduis-les dans la vie éternelle. Pour tous les malades de la famille, Seigneur, toi qui es le médecin par excellence, donne-leur de trouver santé et réconfort. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, dans une minute de prière, chacun de nous confie son intention au Seigneur. Seigneur, nous t'en prions. Que la grâce de ton Fils, que par la grâce de ton Fils, que la puissance de l'Esprit Saint vienne sur cette eau, afin que tout homme qui sera baptisé, enseveli dans la mort avec le Christ, ressuscite avec lui pour la vie, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Nous allons nous mettre debout pour professer notre foi. Crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Rejetez-vous Satan qui est l'auteur du péché? Oui, je le rejette. Est-ce que vous voulez que ces enfants soient baptisés? Oui. T'as plus bien? Oui. T'as bien? Oui. Voilà, je te baptise. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Calus, je te baptise maintenant. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
Je te baptise, Yvan, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Johanna Valérie, je te baptise au nom du Père et du Fils, toi et progressé et du Saint-Esprit. Romaël, Claude, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Reine, je te baptise au nom du Père et du Fils. Je suis chrétien, voilà ma foi, mon espérance et mon soutien, un chant d'amour et de victoire. Je suis chrétien, je suis chrétien. Je suis chrétien, le plus bâti de la vague, mon âme qui vit la foi. Je fus marqué du sang suprême, la grâce vit et règne en moi. Je suis chrétien, à la mon espérance et mon soutien. De l'une sainte. Si vous gardez les chapeaux pour 2 minutes, ils ne vont pas mourir. Chaque temps, vous pouvez marquer. Chers enfants, par le baptême, le Dieu Tout-Puissant, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, vous a libéré du péché et vous a fait renaître de l'eau et de l'Esprit Saint. Vous faites partie maintenant de son peuple. Il vous a marqué de lui sainte pour que vous demeuriez éternellement. Les membres de Jésus-Christ, prêtre, prophète et roi. Vous avez revêtu le Christ. C'est pour cela qu'on vous a porté les vêtements blancs. Que vos parents, vos amis, parrains et marraines, vous aident par leurs paroles et leur exemple à garder intacte cette dignité de fils de Dieu pour la vie éternelle. Amen. Recevez la lumière. Pour mon repas de louer.
Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et à tous les siècles. Ô Marie conçue sans péché. Priez pour nous qui avons le corps. Ô Marie conçue sans péché. Priez pour nous qui avons le corps. Ô Marie conçue sans péché. Priez pour nous qui avons le corps. Prions le Seigneur. Nous te remercions, Dieu Tout-Puissant, pour les bienfaits déjà reçus de toi. Éveille en nous le désir de ceux et celles que tu vas bientôt nous donner, de ceux que tu vas bientôt nous donner. Nous accueillons alors d'un cœur libre la naissance de ton, notre Sauveur, lui qui nous aime pour les siècles des siècles. Thank you.
Vraiment, je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps.